Bienvenue à tous pour ce premier carnet de notes de l'année, bien entendu consacré au mois de janvier. Un mois marqué par de nombreux titres remportés par les Belges, surtout en junior et en double. Chez les pros et les semi-pros, on a tout de même pu se réjouir de quelques exploits individuels de haute volée. Je vous les détaille tout de suite. Petite précision tout de même, les 25 000 $ compteront désormais avec le haut niveau et plus avec les 15 000 $ comme c'était le cas l'an dernier. Ceci pour déjà me caler sur la réforme de l'ITF qui aura lieu dans un an. En effet, dans un an, les résultats des 15 000 $ ne seront plus comptabilisés dans le classement ATP et WTA, mais dans un classement à part de l'ITF. Cette séparation entre les 15 000 $ d'une part et les autres tournois, bien vous les retrouverez dorénavant également dans ce carnet de notes. Bon visionnage! C'est devenu plutôt rare, mais David Goffin n'est pas le numéro 1 chez les joueurs pros ce mois-ci. Sa défaite prématurée à l'Open d'Australie ne lui permet en effet pas de revendiquer cette place. Les habituels joueurs de Challenger n'ont pas non plus été très performants, et c'est donc notre sixième joueur à l'ATP, Christopher Heyman, qui grimpe sur la première place de ce podium. Il est resté en Europe pour disputer le Challenger de Koblenz, où il a franchi les qualifications et le premier tour du tableau final. Il est resté en Allemagne pour se rendre ensuite aux 25 000 $ de Nuslok, où là il ne s'est arrêté qu'en finale. Avec 8 victoires à son compteur, plus 3 autres dans un tournoi du Belgian Circuit dont je vous parlerai tout à l'heure, il est de loin notre joueur le plus performant ce mois-ci chez les hommes. Notre deuxième joueur du mois, eh bien, c'est Ruben Bummelmans. Il a plutôt mal débuté la saison avec une défaite d'entrée au tournoi ATP de Pune, même si ce n'était qu'au tie-break final. Son parcours à l'Open d'Australie aurait pu également se terminer prématurément puisqu'il a dû batailler dur lors de ses deux premiers matchs de qualif. Mais il a ensuite obtenu une belle victoire contre le Coréen Lee, avant l'exploit de son mois face à Lucas Pouille au premier tour du tableau final. Malheureusement, il s'est blessé aux adducteurs au tout début de son match du deuxième tour. C'est vraiment dommage parce qu'il avait vraiment un coup à jouer face au géorgien Basilashvili. Mais dans l'ensemble, ça reste un mois vraiment de très bon calibre pour Ruben. David Goffin est malgré tout sur le podium à la troisième place. Faute, il est vrai, d'avoir trouvé un troisième joueur vraiment performant ce mois-ci. Mais aussi parce que, bien que ce soit une exhibition, je tiens compte de la Hopman Cup, où il a remporté 3 matchs de très bon niveau, notamment le premier face à Alexander Zverev. À l'Open d'Australie, il tombe de haut évidemment avec cette défaite au deuxième tour, face à un joueur, il est vrai qu'il lit assez bien son jeu. Il aura en tout cas une revanche à prendre sur le reste de la saison, et ce sera vraiment très intéressant à suivre. Avec 3 défaites en autant de rencontres, le début de saison d'Arthur de Greff est assez décevant. Le Brabançon s'est en effet incliné d'entrée lors des Challengers de Playford et de Rennes, ainsi qu'au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie entre les deux. Le mois se termine en plus sur une petite polémique avec son refus de sélection pour la rencontre de Coupe Davis. On va pas s'étendre sur les raisons ici, mais c'est sûr qu'il n'avait pas vraiment besoin de ça alors qu'il est en pleine recherche de confiance. La première joueuse de notre top 3 professionnel féminin, vous vous en doutez, c'est Elise Mertens. Déjà très performante en Hopman Cup, Elise a ensuite confirmé son titre acquis l'an dernier à Hobart. Mais c'est à l'Open d'Australie évidemment qu'elle a crevé l'écran et qu'elle s'est fait connaître aux yeux du grand public qui ne la connaissait peut-être pas encore très bien. En première semaine, elle a bénéficié d'un tableau plutôt clément, grâce surtout à la défaite prématurée de Venus Williams, avec un match clé tout de même lors du deuxième tour face à Daria Gavrilova, qui était tête de série. C'est un match en night session sur la Rod Laver Arena, donc vraiment un match impressionnant, et Elise a réussi à sauver 8 balles de premier set. Mais son match le plus complet, c'est évidemment en quart de finale qu'elle l'a réalisé, avec une très belle victoire, très sèche, face à la numéro 4 mondiale Elina Svitolina. Elle a même encore eu des possibilités lors de la demi-finale, mais Caroline Wozniacki était tout de même un ton au-dessus. En deuxième position, mais tout de même à des années-lumière d'Elise, Kirsten Flipkens a réussi à limiter la casse à Melbourne. Elle bat Alison Riske, l'américaine, au premier tour, et ne s'incline ensuite que face à la top 20 Magdalena Rybarikova et en 3-7. Auparavant, elle avait déjà franchi un tour dans le tableau final à Auckland et à Hobart. Dans la capitale de la Tasmanie, elle a réussi à sortir des qualifications et a franchi un tour donc avant de déclarer forfait suite à une blessure à l'épaule lors d'un match qu'elle devait normalement disputer face à Alison Riske, qu'elle a battu quelques jours plus tard à l'Open d'Australie. Isaline Bonaventure grimpe sur la troisième marche grâce à de bons résultats en terre australe, surtout au tournoi d'Auckland où elle est sortie des qualifs en battant déjà 2 joueuses classées entre la 100e et la 120e place mondiale, avant de franchir le premier tour du tableau final en battant Yulia Putintseva qui est 50e mondiale. Il s'agit là bien sûr de la meilleure performance de la carrière d'Isaline. Elle franchit encore un tour lors des qualifications de l'Open d'Australie avant de perdre en 3-7 face à la jeune Serbe Jurović.
Malheureusement, son retour en Europe est un peu moins bon et elle est battue d'entrée lors du 60 000 $ d'Andrézieux Boutéon face à une invitée. Nos autres joueuses du top 200 ont toutes les trois connu un début de saison assez difficile. Yelena Wickmayer s'est inclinée au deuxième tour des qualifications à l'Open Australie et voit ainsi s'achever une très belle série de 39 présences consécutives dans les tableaux finales de Grand Chelem. Elle a ensuite encore perdu d'entrée lors du WTA 125 de Newport Beach. Marina Zanevska, elle, a perdu dès le premier tour des qualifs tant à Auckland qu'à l'Open d'Australie. La série noire continue donc pour Marina qui n'a remporté qu'un seul match officiel depuis le mois d'août. Enfin, Alison Van Uytvanck est tout de même sortie des qualifications à Hobart, ce qui était plutôt un bon résultat. Mais ses défaites d'entrée, par contre, à l'Open d'Australie et à Auckland sont assez décevantes. La belle surprise de ce mois de janvier sur le circuit semi-pro nous vient de Antalya, où Zizoubert disputait les qualifications de 2 15 000 $. La première semaine, il a atteint le tableau final, mais s'y est incliné d'entrée face à un qualifié, ce qui était plutôt décevant. Il a fait beaucoup mieux que se rattraper par contre en deuxième semaine, puisqu'il a tout simplement remporté son premier titre futur. Et avec la manière en plus, puisqu'il a battu 4 joueurs du top 500, dont Kimmer Kopoyans, qui est 277e mondial. Une victoire qui revêt un caractère très particulier pour Zizou, car il considérait Kimmer un petit peu comme son idole, en tout cas comme son grand frère à l'académie LTA de Mazeik, où ils ont tous les deux été formés. Voilà en tout cas la manière idéale de lancer la première saison complète de Zizou sur le circuit. Il sera en tout cas dorénavant qualifié dans la plupart des tableaux finales de futur. Après avoir remporté 7 tournois futurs la saison passée, Julien Kanina poursuit sa moisson dès son premier tournoi de la saison à Sunrise aux États-Unis. Ces super résultats de Julien depuis 6 mois ont en tout cas tapé dans l'œil de Johan Van Eyck, qui a décidé de le sélectionner pour le premier tour de la Coupe Davis contre la Hongrie. Sa défaite dès le premier tour du tournoi suivant à Weston s'explique d'ailleurs sans doute un petit peu par son envie de vite venir rejoindre l'équipe à Liège. C'est en tout cas une très belle confirmation du talent de Julien, à lui maintenant de montrer qu'il peut aussi être très performant dans les Challengers. Les autres résultats en 15 000 ont été nettement plus faibles. Maxime Ottom décroche la 3e place du podium en ne disputant qu'un seul tournoi à Schwieberdingen en Allemagne. Il s'y est arrêté en demi face à la tête de série numéro 2 du tournoi. Rien d'exceptionnel en soi, mais après les galères que Maxime a connues l'an dernier, c'est tout de même une manière vraiment très positive de démarrer la saison. Outre Zizou et Julien, un autre joueur a réussi à atteindre une finale en futur ce mois-ci, c'était Yannick Mertens à Sharm el-Sheikh. Je ne le place toutefois pas sur le podium car il a perdu la semaine suivante dès le premier tour. Et bon, Yannick fait partie du top 300, il a même été top 200. Ce sont des résultats pour lui qui sont bons, mais qui n'ont rien d'extraordinaire. Les résultats dans les ITF féminins sont sans doute les plus décevants du mois, puisque aucune Belge n'a réussi à atteindre la moindre finale. Mais on a tout de même eu droit à une belle satisfaction, c'est le retour à un très bon niveau de Gretje Minnen. Blessée en mars 2017, elle avait déjà tenté 3 retours infructueux par la suite. C'est donc vraiment une très bonne nouvelle de la revoir sur le circuit, et en plus pour disputer plusieurs matchs d'un très bon niveau. À Sharm el-Sheikh, elle est sortie des qualifications et a poursuivi sa route ensuite jusqu'en quart de finale, où elle n'a été battue qu'en 3-7 serrés par la 219e mondiale. C'est un retour qui fait vraiment plaisir et on espère qu'elle pourra rapidement retrouver sa place dans le top 300. Helen Skolsen est la seule fille à avoir disputé une demi-finale lors de ce mois de janvier en tournoi ITF. C'était d'ailleurs encore en décembre, puisque le premier tournoi de la saison s'est disputé à Hong Kong entre Noël et Nouvel An. La suite du mois a été nettement moins bonne, puisqu'elle s'est inclinée au deuxième tour toujours à Hong Kong, puis a même perdu au premier tour à Sharm el-Sheikh. Le bilan global du mois est donc plutôt mitigé pour la luxembourgeoise. La troisième place du podium revient à la toute jeune Clara Vlasseler, qui n'aura 17 ans que le mois prochain, et qui a remporté son tout premier point WTA. Elle a disputé 2 tournois WTA, et s'est inclinée au premier tour lors de la première semaine. Lors de la seconde, elle est sortie des qualifications, et a ensuite franchi un tour dans le tableau final. Au deuxième tour, elle a même bien accroché, en tout cas durant le premier set, la 575e mondiale, donc c'est vraiment une bonne entrée en matière pour Clara. Si les autres joueuses ont assez peu brillé, Brit Gökens et Margot Bovy ont elles débuté la saison par 2 défaites. Brit a eu la malchance évidemment de tomber face à des têtes de série lors des 2 tournois qu'elle a disputés à Sharm el-Sheikh. Quant à Margot, c'est à Aramet qu'elle a perdu 2 fois au premier tour. Elle jouait contre 2 Françaises classées plus ou moins au même niveau qu'elle, donc c'est relativement décevant, mais bien sûr la saison est longue et toutes les deux ont largement le temps de se reprendre. En
l'absence de Joachim Gérard à l'Open d'Australie, le podium des autres catégories sera entièrement consacré au double. Et tout comme en simple, c'est Elise Mertens qui s'y est montrée la plus performante. Elle ne s'est en effet pas contentée du simple cette année à Hobart puisqu'elle a également remporté le titre en double. Il s'agit déjà du troisième titre WTA que Elise remporte en double. C'est vraiment une catégorie où elle excelle. À l'Open d'Australie, elle s'est malheureusement inclinée d'entrée. Mais c'est sans doute un mal pour un bien quand on voit le parcours qu'elle a ensuite réalisé en simple. Notre meilleure paire de doubles chez les hommes, Sander Gillet et Joran Vigen, grimpent sur la deuxième marche du podium. Ils ont en effet remporté à Rennes leur sixième titre challenger côte à côte. Cette victoire, en plus d'une demi-finale à Koblenz, leur permet de grimper encore au classement, ça j'en parlerai tout à l'heure. Elle leur permet surtout de se rapprocher encore un petit peu plus de leur objectif principal, qui est de pouvoir intégrer les tableaux finales des tournois du circuit principal. Enfin, Iseline Bonaventure s'exprime également très bien en double, on le sait. Elle a déjà remporté deux titres WTA dans cette catégorie et atteint la 57e place mondiale. Bon, elle a chuté au classement l'an dernier en raison de sa blessure, elle a chuté en simple mais en double également. Par contre, elle remporte ce mois-ci le 60 000 $ d'Andrézieux Boutéon, ce qui lui permet de remonter dans le top 200. Et qui sait, elle pourrait très bien être amenée à disputer le double en Fed Cup le week-end prochain. Battue en finale par Iseline à Andrézieux Boutéon, Kimberly Zimmermann progresse également dans une discipline qu'elle apprécie beaucoup. Cette performance lui permet d'atteindre son meilleur classement en double aux alentours de la 240e place mondiale, ce qui méritait donc bien une petite mention. D'ailleurs, les nombreux vainqueurs en double ce mois-ci méritent également cette mention, comme par exemple Helen Skolsen, qui s'est imposée lors de sa deuxième semaine à Hong Kong. Nils Dessaigne, lui, il a remporté le tournoi de Bagnoles de l'Orne en France. Enfin, lors de la troisième semaine du mois de janvier, Julien Kalina a réalisé le doublé simple et double à Sunrise. Yannick Mertens s'est lui imposé à Sharm El Sheikh et Germain Gigounon et Jeroen Van Est ont inscrit leur nom au palmarès à Manacor. Trois jeunes du centre AFT se sont rendus en Inde pour débuter la saison avec un grade 3 et deux grades 2. C'est Louis Herman qui s'est montré le plus performant en remportant les trois titres en double et en parachevant son parcours par une très belle victoire lors du grade 2 de Kolkata la dernière semaine. Lors des deux premiers tournois, il avait également atteint les quarts de finale. Il s'agit du premier titre de Louis à ce niveau et grâce à ce beau parcours, il se place vraiment comme l'un de nos actuels meilleurs espoirs. Mais Gauthier Auclin a également fait très fort lors de cette tournée. C'est bien sûr avec lui que Louis a remporté les trois titres en double, mais il a également remporté son premier grade 2 à New Delhi une semaine avant son pote. Je ne le place que sur la deuxième place du podium, car lors des deux autres tournois en simple, il s'est montré moins performant, mais ça reste quand même une très très bonne performance d'ensemble, un très beau bilan d'ensemble pour Gauthier. Enfin, Romain Faucon a lui remporté son premier titre junior tout court, un bien moindre niveau bien entendu. Il s'agissait d'un grade 5 à Siroki Brijeg en Bosnie. Il s'y est d'ailleurs imposé en simple et en double, et avait même atteint la demi-finale au même endroit la semaine précédente. Diego Di Grassi, lui, avait réussi à s'imposer en double lors de cette première semaine. Plusieurs autres résultats méritent une mention, comme le quart de finale au grade 1 de Prague pour Frédéric Jacobs et Victoria Kalaitzis. Alors un quart dans un grade 1, c'est une première pour tous les deux à ce niveau-là. En U14, les Belges se sont plutôt bien débrouillés dans l'ensemble lors des deux très gros tournois de catégorie 1. Alexander Bloks et Anne van der Winkel ont ainsi atteint les quarts de finale lors du tournoi de Bolton. Sofia Kostoulas s'est-elle arrêtée en 8e, tout comme aux petits as de Tarbes la semaine suivante. Mais ça reste un vraiment très très bon résultat dans un tournoi, les petits as, qui est considéré par beaucoup comme une sorte de championnat du monde de cette catégorie d'âge. Enfin, Sarah Pantelic a préféré rester en Belgique. Elle a disputé les deux gros tournois de Noël à Nivelles et à Saint-Trond. Et c'était plutôt une bonne décision puisqu'elle a réussi à faire le doublé, à remporter les deux titres en catégorie U13. Elle est la seule à avoir réalisé ce doublé puisque Anne van der Winkel, avant de se rendre à Bolton, avait remporté le tournoi en U15 à Saint-Trond, mais s'était inclinée en finale à Nivelles. Le Belgian Circuit a déjà repris avec de très nombreux tournois au mois de janvier, mais la plupart étaient des tournois de 1 étoile. Il y a tout de même eu un 5 étoiles à Alken, et Sepp Kuipers a réalisé une très grosse surprise en s'y imposant. C'est un tournoi qu'il apprécie, puisqu'il avait déjà créé la surprise l'an dernier en atteignant la finale alors qu'il n'était que 9e tête de série. Cette fois, il était le deuxième favori, mais il était très très loin derrière le premier, qui était Chris Heyman, et il a tout de même réussi un exploit en battant Chris en finale au tie-break du dernier set. Avant son retour officiel en Égypte,
Gretjominen avait également disputé ce tournoi et s'y était imposée sans perdre un set. De quoi la mettre en confiance avant son retour sur les ITF, d'autant qu'elle a, sur son parcours, battu trois joueuses classées à la WTA, Lara Salden, Britt Goekens et Claartje Leibens. C'est d'ailleurs Claartje qui, grâce à cette finale à Alken, grimpe sur la troisième place de notre podium. Même si elle a été assez largement battue en finale, elle a réussi à dominer en demi-finale sa grande rivale du Belgian Circuit 2017, Sophie Hoyen. En plus, la même semaine, elle a remporté le tournoi 1 étoile du TC Cromveld. Deux joueuses méritent une mention pour avoir remporté deux tournois lors de ce mois de janvier, des tournois de 1 étoile également. Il s'agit de Zara de Schutter qui s'est imposée à Saint-Josse et au Madison. En chemin, elle a battu tout de même 4 joueuses classées A. Enfin, lors de la première semaine au mois de janvier, Margot Maquet a remporté deux tournois en parallèle au Tennisland Rebec et au TC Spee. En finale du tournoi namurois, elle a pris la mesure de la première tête de série à Anouk Del Fortry. Au classement ATP, David Goffin conserve sa 7e place mondiale malgré sa désillusion à Melbourne. Le manque de résultats des joueurs de Challenger, par contre, fait que ceux qui avaient des points à défendre glissent au classement. C'est le cas de Steve Darcy, par exemple, puisque lui est toujours blessé, mais aussi d'Arthur de Greef et de Joris Delors. Attention que les points gagnés par Chris Heyman aux 25 000 $ de Nuslock n'apparaîtront au classement que lundi prochain, c'est pour ça qu'il ne bouge encore que très peu au classement. En dehors du top 10 belge, il y a quelques progressions très impressionnantes, et surtout évidemment celle de Zizou Berghs grâce à sa victoire, sa première victoire sur le circuit. En double, l'information principale est la première apparition de Sander Gillet dans le top 100 de la discipline. Joran Vliegen, lui, s'en rapproche également très fortement, donc bravo à tous les deux. Au classement WTA, le mois a été évidemment marqué par l'énorme ascension d'Elise Mertens qui fait son entrée dans le top 20. Elle est d'ores et déjà assurée d'être tête de série à Roland-Garros et à Wimbledon, et elle possède même encore une belle marge de progression dans les semaines qui viennent. Elise grimpe aussi en double, où elle a atteint la 36e place, ce qui est le meilleur classement de sa carrière. Dans le reste du classement, Isaline Bonaventure remonte également. Elle se rapproche de son meilleur classement en simple, qui est la 141e place. Il ne lui manque qu'une cinquantaine de points, et elle n'en a aucun à défendre sur les 3 prochains mois, donc elle peut vraiment retrouver son meilleur classement avant la fin de l'hiver. Plus loin, Gretjominen poursuit sa descente au classement, car les points qu'elle a remportés à Sharm el-Sheikh ne seront rajoutés que la semaine prochaine. En junior, l'absence de Thibaut Colson lui fait perdre quelques places. Je rappelle que Thibaut est toujours en revalidation et ne devrait débuter sa saison qu'au mois de mars, dans une tournée en Asie. Par contre, les très beaux résultats de Louis Hermant et de Gauthier Anglin en Inde leur permettent de faire un bond vraiment impressionnant et d'entrevoir une possible participation à Roland-Garros et ou à Wimbledon. Frédéric Jacobs, Arnaud Bovy et Romain Faucon réalisent également une très belle progression en ce début d'année. Chez les filles, Aksana Marén avait pas mal de points à défendre. Bon, comme elle revient de blessure, elle n'a pas vraiment pu jouer à son meilleur niveau et défendre ses points. Et donc elle chute assez lourdement au classement et même dépassée au classement belge par Victoria Kalaitzis. Voilà ce qui conclut ce carnet de notes du mois de janvier. Je vous souhaite un très bon week-end de Coupe Davis et je vous retrouve dans quelques jours avec Joël pour débriefer cette rencontre et pour présenter la rencontre de Fed Cup. Salut !